regardez-moi bien. Je vais vous expliquer une histoire qui s'est passée dans votre vie, ça fait très longtemps. Très longtemps. Ok. Alors, Tawa Anna Heslomi Talifa. Quand je vous ai vu, j'ai vu une jeune femme. I saw a young lady. Pélagie. Hein? J'ai vu une jeune femme, Pélagie. Et Pélagie, ça fait très longtemps. Vous étiez encore une jeune fille. Et c'était votre amie. On l'appelait Pélagie. She was called Pélagie. C'est ça? Oui, daddy. Vous savez où elle est maintenant? Do you know where she is now? Hein? Non, daddy. On l'appelait comment? Pélagie. Pélagie. On l'appelait Pélagie. Vous savez où elle est maintenant? Do you know where she is now? Hein? Non, daddy. On l'appelait comment? Pélagie. Pélagie. Est-ce que vous savez que quelque chose s'est passé avec Pélagie? Do you know that? Je vous explique. Vous ne savez peut-être pas, mais je peux vous rappeler. Si vous avez bonne mémoire, ça reviendra. À l'époque où vous étiez avec Pélagie, il y avait un jeune homme qu'on appelait Victor. Hein? Il y avait Victor. Il y avait un jeune homme qu'on appelait Victor. Et qui était intéressé à vous. Who was interested in you? Et ce Victor était intéressé à vous et Pélagie était là. This Victor was interested in Est-ce que vous savez où Victor est aujourd'hui? Do you know where Victor is? Savez combien de temps que vous êtes séparés? How long have you separated? Hein? Beaucoup d'années aujourd'hui. On l'appelait comment? How was he called? Hein? Victor. Victor. Est-ce que vous savez où Victor est aujourd'hui? Do you know where Victor is? Savez combien de temps que vous êtes séparés? How long have you separated? On l'appelait comment? How was he called? Hein? Victor. Victor. Ce Victor était Victor votre saison. Was your season. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Vous n'avez pas happened. Su. You did not know. Pourquoi? Parce que Why? Because Pélagie, à l'époque, vous time, aviez un foulard. You had a headscarf. Un foulard léger, fleuri. A light flower que vous aimiez toujours mettre derrière vous. That you comme love ça. Putting behind you like this. À l'époque de Pélagie. C'est vrai, c'était un foulard fleuri de couleur bleue It was a flowery avec headscarf. Un peu de jaune sur ça. C'est un peu de très blanc. Vérité, daddy. C'est ça? Vérité. Pélagie vous a demandé le foulard. Pélagie asked for that headscarf. Elle vous a demandé le foulard She asked for the avec insistance. Insisting. Vous avez refusé. You refused. Vous avez dit non, le foulard, si on m'a aussi offert, this headscarf je ne peux pas te le donner. I can't give Un jour, vous êtes quitté avec Pélagie. One day you left Elle vous a accompagné pour vous faire coiffer She escorted you to dress dans your un hair salon de coiffure. In a hairdressing salon. Et vous êtes arrivé dans ce salon de coiffure qui n'était pas loin de chez vous. That was not far from Quand vous êtes entré dans le salon de coiffure, When you enter that salon, Elle vous a encore demandé le foulard. She still asked for the headscarf. Et le salon de coiffure, si était, salon, c'était chez Michel. Vérité. Qui vous coiffait? Vérité. Michou coiffure. Vérité. C'est ça? Vérité. Arrêtez la femme là, qu'elle ne tombe pas maintenant. Quand vous êtes arrivé à Michou coiffure, vous êtes entré, Michel vous a accueilli. Parce que c'était un petit salon. C'était un tout petit salon de coiffure. Lorsqu'on entrait, il y avait une véranda. On montait sur la véranda. Et puis, il y avait un Gerflex déjà déchiré au sol. C'était un vieux Gerflex au sol. Est-ce que c'est ça, madame? Vérité. Et lorsqu'on entrait, quand tu entrais dans le salon, en face, il y avait un miroir. Vérité. Il y avait un miroir. Les gens s'asseyaient, ils donnaient le dos à la porte d'entrée. Vérité, daddy. C'est ça? Vérité. Maintenant, à droite, il y avait deux chaises. Vérité. Il y avait deux chaises. Et votre ami Pélagie s'est assise Vérité, sur une chaise. Vérité. Pendant que vous êtes assise, quand défaisait vos cheveux, il y a une jeune fille qui est entrée aussi pour la coiffure. Je vous donne son nom, elle s'appelait Monique. Elle s'est assise à côté de Pélagie. Vérité, vous connaissez Monique? Oui, daddy. C'était qui pour vous? Une amie aussi. Hein? Une amie aussi. Une amie, on l'appelait comment? Monique. On l'appelait? Monique. Monique, elle est entrée dans le salon de coiffure. Et dans sa main, elle avait un plastique. Dans le sachet, c'était un sachet blanc. Dans le sachet, il y avait le haricot. Elle avait quatre beignets entre ses mains. Elle s'est assise, elle était en train de manger. Vous êtes mise à causer. Pendant que vous étiez en train de causer avec Monique, Pélagie vous a encore redemandé le foulard. Vérité. Et Michel s'est fâché en disant Pélagie que mais tu demandes avec insistance. Quelqu'un te dit qu'il ne veut pas. Pourquoi tu insistes autant? Vérité. Vous avez dit. Répondu exactement cette phrase. Ma, je sais. Vérité. Et ça m'a inna hellomi.
Et l'ange de Dieu a ouvert mes yeux et j'ai vu quelque chose en train de venir. Vous êtes fiancé à quelqu'un? Répondez oui ou non simplement. Oui, daddy. Ok, ça va. J'ai vu un jeune homme que vous avez beaucoup aimé. Un jeune homme. Dans votre passé. Vous avez aimé tellement. Et qui vous a aussi tellement aimé. Et qui est là, qui était comme une deuxième porte pour votre vie. Et j'ai vu ce jeune homme. Je l'ai vu en train de penser à vous. Je l'ai vu en train de venir. Francis. Hein? Oui, Francis. Daddy. Oui, daddy. Francis. Oui, daddy. Vous savez où il est? Non, daddy. Francis. Hein? Oui, Francis. Daddy. Oui, daddy. Francis. Oui, daddy. Vous savez où il est? Non, daddy. Vous savez pas? Il a voyagé. Il n'est pas au Cameroun. He's not in Cameroon. Ça fait combien d'années que vous êtes séparés? For how long are you separated? Beaucoup d'années. Beaucoup d'années, on l'appelait comment? Francis. Ou c'est Francis Ngannou, ou c'était Francis Ngannou, ou c'est Francis Ngounou, question comme ça. Francis Ngounou. Beaucoup d'années, on l'appelait comment? Francis. Ou c'est Francis Ngannou, ou c'était Francis Ngannou, ou c'est Francis Ngounou, question comme ça. Francis Ngounou. Francis Ngounou est en train de réfléchir comment faire pour revenir vers vous. Alors où je vous parle, je vous dis la vérité, Ngounou ne dort pas à cause de vous. Témoignage le matin à la télé. Oui. Il y a votre soeur qui voulait prendre la place, mais heureusement oui. Vous êtes violente. Amen. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous bien l'histoire. Je suis venue à la nuit de prière au mois de février. Mm-hmm. J'avais l'ancienne échographie ici. Quand vous êtes sorti, montez à la télé. Quand vous êtes sorti là dehors, j'ai soulevé comme ça. Là, vous avez demandé que on ça doit c'est lire quoi? Ce qui est écrit là, s'il vous plaît. Vous avez demandé que ça c'est quoi? J'ai dit que c'est l'échographie. L'échographie dit que j'ai un kyste du côté gauche. Après vous avez prié sur moi. Vous m'avez demandé est-ce que je crois que Jésus peut me guérir? J'ai dit oui, je crois. Et vous m'avez demandé d'aller refaire le test de l'autre échographie le lendemain. Il a disparu. C'est ce que vous avez prophétisé. Je suis allée faire l'échographie. Au mois de mars, le 26 mars, quand je suis arrivée dans le même centre, dans le même laboratoire, je suis partie faire. Quand le docteur m'a reçu, il dit que, madame, je ne vois rien. Je lui dis que, mais docteur, j'étais ici la dernière fois, voilà. Vous avez dit, il dit, non, madame, vous êtes déjà guérie. On vous a traité. Hey! Il dit qu'on vous a traité. Elle vient, elle a les kystes. C'était les kystes ou les myomes? Les kystes. C'était les kystes au côté gauche. Elle a une kyste au côté gauche. Et on prie avec elle. Et je lui demande, est-ce que vous croyez? Elle dit oui, je crois. Et Jésus a dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander chose quelconque, en mon nom, je le ferai. Et on prie. Et on lui dit, va, c'est fini. Et elle reçoit la prophétie. Elle va par la foi. Elle est pressée de retourner au laboratoire. Elle refait le test. Elle donne au docteur. Le docteur lui dit qu'elle a été traitée. La prière agit. Le Seigneur change le cours de votre histoire. Dieu change radicalement le cours de ton histoire. Tout chemin que tu marchais dessus avec tes enfants, chemin de désolation, chemin de pleurs, chemin de déception, de blocage, d'échec, Dieu t'enlève de ce chemin pour te mettre dans le chemin qu'il a préparé pour toi. L'Éternel te fait déménager. C'est une nuit de déménagement. Tu quittes d'où
tous tes ennemis t'avaient placé, de ta prison, tu quittes la médiocrité pour l'excellence, des ténèbres pour la lumière, de la pauvreté à la richesse, de la maladie à la guérison. Tu ne célèbres pas au mariage. Oh, si tu célébrais encore plus que ça, la chose arriverait. C'est ta saison, c'est ta saison, c'est ta saison. C'est ta saison, c'est ta saison, c'est ta saison. C'est ta saison. Et j'ai commencé à voir des visions. Pour ceux qui travaillent parmi vous, préparez-vous pour la vengeance de l'Éternel. Parce que où on t'avait mis, Dieu te sortira de là. Et il t'exposera lui-même. Oh! Joyeux mariage à tous les célibataires. Tes ennemis ont raté le coup cette fois-ci. Partout ton mariage avait été enterré. Je vois l'étoile du mariage sortie des cimetières, sortie des tombeaux, sortie des villages, sortie des arbres maléfiques. Les animaux totémiques en train de vomir les mariages dans nos vies, dans nos familles. Je célèbre ton mariage. L'onction de mariage sur moi et mamie, tu reçois la double portion. Non, la double portion. Je vous dis la vérité, préparez-vous. Quand je venais dans la voiture, le Seigneur m'a dit, attachez vos ceintures. Et j'ai dit, Seigneur, attache ma part d'abord avant que je n'arrive là-bas. Attache ta ceinture. Le mois de mai sera un mois de bénédiction. Je dis un mois de bénédiction. Où tu seras béni à la maison. Tu seras béni au marché. Tu seras béni dans ton lieu de travail. Tu seras béni au champ. Tu seras béni à l'aller. Tu seras béni au retour. Tu seras béni le jour. Tu seras béni la nuit. Si tu célèbres ce mois, ce sera un mois de bénédiction pour ta vie. Aucun démon ne va effacer cette prophétie. Aucun ennemi de ta vie n'empêchera que cette parole de Dieu ne s'accomplisse sur ta vie. Les gens peuvent faire ce qu'ils peuvent faire. Le monde des ténèbres peut se soulever contre toi. Mais ceux qui sont avec toi sont plus nombreux, sont plus forts, sont plus puissants que ceux qui sont avec tes ennemis. Nous ne venons pas à la lieu de flamme pour nous amuser. Je suis venu repositionner quelqu'un d'après la parole que l'Éternel m'a adressée. Donc si dans ta famille, on t'avait lancé des défis, bonne arrivée, tu es au bon endroit, au bon moment, et tu as le bon prédicateur devant toi. Le Seigneur m'a dit ceci, toute imprécation, toute incantation, toute pratique familiale contre ta vie est annulée. Ce soir, c'est annulé. Pendant que je parle, une armée d'anges est libérée dans ton village, partout où on avait retenu ta grâce, pour aller récupérer, pendant que je parle ici, la guerre de l'Éternel est déclarée dans le camp de nos ennemis. Non, ce que je dis est très sérieux. Pendant que je parle sur son hôtel, les anges sont en train de guerroyer pour toi. Dans ton village, partout, les anges sont en train de travailler, de lutter, de combattre. Lorsque Esther a prié, les anges sont entrés au palais. Elle ne pouvait pas entrer là-bas. Les anges sont entrés au palais. Ils ont dit à Vasti, prends tes affaires, sors. Esther doit entrer. Quelqu'un va sortir de quelque part. Quelqu'un doit sortir de quelque part. Quelqu'un doit sortir de quelque part. Toute personne qui était à ta place, libère ta place. Elle libère ta place. Elle libère ta place. Elle libère ta place. Dans le nom puissant de Jésus. Celui qui était assis sur ton trône, Dieu l'enlève de ton trône. Le propriétaire légitime est venu ce
soir, à cette nuit de gloire, pour récupérer le trône de sa gloire que Jésus lui a donné. Est-ce que quelqu'un est prêt ce soir? Je te vois récupérer ton trône de gloire. Je te remets ton trône de gloire. Le trône de ta famille est remis. Le trône de ton mariage est remis. Le trône de ton foyer est remis. Je vois ton trône remis ce soir. Récupère ton trône. Récupère ton trône. Récupère ton trône. Récupère ta place.